sought the Lord, and He answered me and delivered me from every fear. Those who look on. Bonjour, bienvenue sur ce plateau spécial Chapelle des Adorateurs que nous avons l'opportunité aujourd'hui de partager avec vous. Nous allons parler au travers de ce moment de l'impact de la foi sur la personnalité. Je suis le pasteur Constant Matsima, je suis le pasteur principal de l'église Chapelle des Adorateurs à Paris, à Argenteuil, en région parisienne. Avant d'aller plus loin dans cette émission, nous allons passer une chanson, un clip, un merveilleux chant interprété par mon épouse, pasteur Floricia Matsima, et ce chant s'intitule « Parfum divin ». Je vous laisse le suivre avec nous avant de continuer dans la suite de ce plateau spécial. L'odeur de l'adoration. Il est l'adoration préférée du Père. Et lorsque nous nous présentons devant le Père pour l'adorer, l'odeur que Jésus répand dans nos cœurs, c'est cette odeur que nous présentons au Père. Et le Père nous agrée à cause de cette odeur, car il est le trésor des cieux, le parfum divin qui se répand dans nos cœurs, qui se répand sur toute la terre, qui se répand dans ton cœur. Parfum divin, parfum divin.
Nous revenons sur notre plateau donc pour partager ce thème que Dieu a mis sur notre cœur aujourd'hui. Nous allons parler de l'impact de la foi sur la personnalité. Pourquoi nous allons parler de ces choses? Parce que il y a des chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, nous disons par exemple que je suis de telle foi, je suis de foi chrétienne, je crois en ceci, je crois en cela. La question qu'on va se poser aujourd'hui, qu'est-ce que exactement le fait que je sois chrétien, que je puisse croire en la parole de Dieu qui est la Bible, qu'est-ce que cela apporte sur ma personnalité et qu'est-ce que ma personnalité apporte finalement sur ma vie de tous les jours? Parce que ce qui est le plus important, nous croyons que la parole de Dieu a été donnée pour qu'elle puisse nous servir de guide, pour qu'elle puisse nous donner de pouvoir marcher selon les standards de Dieu et de porter du fruit dans notre vie quotidienne. Je crois que la parole de Dieu a été donnée pour que, au quotidien, nous puissions voir la manifestation de Dieu. Nous puissions voir la manifestation des principes de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des fois découragés, qui disent « Je crois en Dieu, mais je ne vois rien. Je crois en Dieu, mais rien ne se passe. » Je veux dire à quelqu'un, la parole de Dieu, lorsqu'on y croit, ceux qui ont cru dans la parole de Dieu, ceux qui ont appliqué la parole de Dieu, ceux qui ont marché selon les principes de Dieu, ont vu au quotidien, au jour le jour, tout ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu devenir réalité. L'impact de notre foi chrétienne, sur notre personnalité. Sachant que notre personnalité, elle va influencer notre quotidien, notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on appelle une personnalité? La personnalité se définit comme étant l'ensemble des caractéristiques d'une personne. Ça va influencer donc sa personnalité, la personnalité va influencer notre comportement, ça va influencer notre manière de penser. J'insiste sur la manière de penser. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. D'autres versions diront, l'homme est le résultat de ses pensées. Ça veut dire quoi? Si vos pensées sont d'un certain niveau, le résultat que vous allez manifester dans votre vie de tous les jours, les fruits que vous allez récolter de votre foi, de votre confiance en la parole de Dieu, seront en rapport avec ces pensées. C'est la raison pour laquelle vos pensées doivent être influencées par la parole de Dieu pour que vous puissiez produire du fruit à la gloire de Dieu. Alors, la personnalité, c'est l'ensemble de caractéristiques que manifeste une personne. Ça influence sa personnalité, sa personne, et ça a aussi une influence sur sa façon de penser. Qu'est-ce que la foi? C'est le deuxième mot-clé du thème que nous allons développer. Qu'est-ce que la foi? Je vais rester dans la parole de Dieu. La Bible définit, là je suis dans Hébreu, à partir du chapitre 11, verset 1. La Bible dit ceci, « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens. » Dans d'autres versions, c'est dit les choses qu'on possède. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. D'autres versions définissent la foi comme étant, la foi c'est quoi? C'est une assurance des choses que l'on ne voit pas, une démonstration de celles, des choses qu'on ne voit pas, une assurance des choses auxquelles on croit, une démonstration de celles, des choses qu'on ne voit pas. Alors, donc, lorsque nous croyons en la parole de Dieu, lorsque nous avons confiance en la parole de Dieu, nous avons une conviction dans notre cœur, nous avons une pensée dans notre cœur, nous avons une vision dans notre cœur. Et la deuxième partie de la définition dit, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est mettre en action ce que nous croyons au fond de notre cœur. Et ce que nous croyons au fond de notre cœur vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit que ce que nous croyons, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque l'on parle de foi biblique, on parle au commencement de la parole de Dieu qu'un homme reçoit dans son esprit, qu'un homme reçoit de la part du Seigneur. Cette parole crée dans son cœur une conviction et cette conviction le pousse à l'action. J'aimerais dire à quelqu'un au travers de ce thème que tu peux croire au fond de ton cœur. Dieu peut te parler. Dieu peut t'avoir dit de faire des choses. Mais si tu crois dans ton cœur et que tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras pas voir la matérialisation et le résultat concret de ce que Dieu t'a dit. Beaucoup de personnes sont découragées. Pourquoi
je ne vois pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a promis. Il y a des promesses de Dieu qui sont attachées sur ma vie. Je dis toujours, lorsque Dieu vous a promis quelque chose, lorsque vous avez reçu une parole de Dieu, vous devez, bien sûr, la mettre dans votre cœur, la garder dans votre cœur, mais cette parole ne doit pas dormir simplement dans votre cœur, elle doit vous pousser à poser des actions. Cela nous mène donc aux caractéristiques, en fait, qu'on remarque dans la vie d'un homme qui a la foi. Je parle d'une foi opérationnelle, je parle d'une foi vivante. Je ne parle pas de ceux qui disent qu'ils ont la foi, mais leur foi ne se matérialise en rien. Si vous avez la foi et que votre foi ne produit pas de résultats, votre foi, elle est morte. L'apôtre Jacques l'a dit, montre-moi ta foi, mais ta foi, montre-la-moi par tes œuvres, parce que la foi véritable se voit par des œuvres, par le résultat qu'on produit. Être enfant de Dieu ne signifie pas que nous ne devons pas parler de résultats. La culture du résultat est une culture du royaume de Dieu. Dieu est un Dieu du résultat. La preuve en est que la Bible dit au commencement, il a créé le ciel et la terre. Pendant 6 jours, il a travaillé et chaque jour, on voyait le résultat de ce qu'il faisait. Il travaillait et on voyait que chaque jour, il y avait quelque chose qui se passait. Qui a dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas parler de la culture du résultat? Qui a dit qu'à l'église, lorsque l'on demande aux gens de produire des résultats concrets, qu'on devient des mondains? Non, le royaume de Dieu est un royaume où on doit parler de la culture du résultat. Qu'est-ce que produit ton travail? Qu'est-ce que produit ce que tu fais? Tu dis que tu crois en Dieu. Tout le monde dans le quartier sait que tu vas à l'église chaque matin. Tout le monde autour de toi sait que tu pries beaucoup. Tu as une grosse Bible à l'arrêt du bus, tout le monde le voit. Mais qu'est-ce que tout ça produit? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à produire du fruit et du fruit qui demeure. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que ma vie produise du fruit. Il y a le fruit de l'Esprit, bien sûr, que le Saint-Esprit produit en moi. Galates chapitre 5, nous connaissons ce passage. La patience, la tempérance, la tolérance, l'amour, toutes ces choses, la charité. Mais il y a aussi les fruits extérieurs, les fruits de ce que les hommes doivent voir. Sachez que nous sommes l'adresse de Dieu sur la terre. Quand les gens cherchent Dieu, Dieu est esprit, dit la Bible. Jean chapitre 4, lorsque Jésus-Christ parle à la femme samaritaine. Dieu est esprit, un esprit ne se voit pas. Mais la matérialisation de Dieu, ceux qui vont représenter Dieu sur la terre, ce sont les enfants de Dieu, ce sont des chrétiens, ce sont ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre, déclare l'apôtre Paul. Donc, l'ambassadeur doit démontrer les fruits du royaume auquel il appartient. C'est pourquoi la culture du résultat et du bon résultat doit faire partie de l'Église. Je dis encore que l'Église doit aussi travailler avec la culture du résultat. Il doit influencer le peuple, il doit enseigner au peuple à rechercher, à produire du fruit, c'est-à-dire avoir du résultat. Ce n'est pas un péché que d'avoir du résultat. C'est la raison pour laquelle je dis, si votre foi ne produit pas du résultat concret, mais votre foi, elle ne sert, en fait, je veux dire, à rien du tout. Et elle ne sert même pas les intérêts du royaume de Dieu. Parce que pour que les intérêts du royaume de Dieu soient servis, ben, il faut qu'il y ait du résultat. Il faut qu'il y ait des fruits. Il faut que l'on voie des choses. Il faut que l'on touche des choses. Il faut que les gens voient Christ en toi. Il faut que dans ce que tu fais, que les gens voient la gloire de Dieu. On ne voit pas la gloire de Dieu. Tout le temps, tu dis que je vais à l'église. Tout le temps, tu dis non. Vous savez, des fois, le résultat que nous produisons, le fruit que nous portons, peuvent être la véritable évangélisation, le véritable message qu'on peut donner au monde. Parce que nous sommes dans un monde où les gens veulent voir des choses. Oui, Dieu regarde au cœur, mais les hommes regardent à l'apparence. Les hommes regardent à ce qu'ils voient. On ne peut pas changer des hommes en voulant qu'ils deviennent comme Dieu. C'est Dieu qui a la capacité de regarder au cœur, mais les hommes, nos frères, nos familles, nos amis, dans nos quartiers, nos voisins, ils ont besoin de voir les fruits que produisent notre foi en la parole de Dieu, notre foi en Christ. Nous allons à présent maintenant parler de l'impact. Qu'est-ce que la foi produit sur le comportement d'un enfant de Dieu? Qu'est-ce que la foi produit sur la personnalité? Tu crois en Dieu, tu lis la Bible, tu écoutes des prédications, tu vas à l'église, tu sers le Seigneur. Excellent, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que cela produit ou qu'est-ce que cela devrait produire concrètement
dans la vie de tous les jours. Le premier point de ce que produit la foi dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ce que j'appelle l'attachement à la parole de Dieu. Un homme qui marche par la foi est attaché à la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit bien que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi. Tu ne peux pas me dire que tu crois en la parole de Dieu et tu es ennemi des Écritures. Ta foi se base sur quoi alors? Parce que vous savez, dans le cœur de l'homme, les convictions peuvent venir de plusieurs endroits. Les convictions peuvent venir de plusieurs sources. Ce n'est pas parce que j'ai une conviction dans mon cœur que cette conviction vient de Dieu. Et laisse-moi te dire, les convictions qui produisent du résultat concret, ce sont les convictions qui sont nées de la parole venant de Dieu. Lorsque l'on parle de la parole de Dieu, on parle de la Bible, qui est la parole écrite de Dieu, mais on parle aussi de la parole révélée de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit peut te révéler une parole devant une situation, devant une circonstance. Le Saint-Esprit peut te parler. On parle de cette parole-là, qu'elle soit une parole écrite ou qu'elle soit une parole révélée. La foi vient de ce que l'on entend. Ta conviction vient d'où? D'où vient ta conviction? Lorsqu'il s'agit de la foi authentique, la foi biblique, cette conviction-là vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'un homme de foi est un homme qui est constamment attaché à la parole de Dieu. Il a la soif d'écouter Dieu parce qu'il ne veut pas agir selon lui-même, parce qu'il ne veut pas manifester une conviction charnelle, parce qu'il ne veut pas manifester une conviction qui vient je ne sais d'où. Il est attaché à la parole de Dieu. Il la médite nuit et jour. Dieu dit à Josué, lorsque Moïse doit partir et que Josué doit remplacer Moïse, Josué 1, chapitre 8, il dit quoi? Médite cette parole jour et nuit et agis fidèlement par rapport à cette parole afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. En réalité, lorsqu'un homme ou une femme est attachée véritablement à la parole de Dieu, elle la médite régulièrement, elle la met en pratique dans sa vie, le succès est son partage. J'aimerais vous dire une chose, que personne ne vous trompe. Ce n'est pas lorsqu'on va vous imposer les mains que vous aurez du succès. Ce n'est pas lorsqu'on va vous oindre d'huile que vous aurez du succès. Il y a beaucoup de personnes dans les églises, on a oint d'huile du 1er au 30, de janvier à décembre. Mais ils n'ont réussi dans qu'une chose qu'ils ont entrepris. Ce n'est pas l'huile qui apporte la réussite. C'est l'application des principes de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, toute chose qui existe sur cette terre-là est soutenue par un principe divin. Parce que Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre. Si tu veux faire des affaires, il y a des principes divins qui organisent le monde des affaires. Si tu veux te marier, il y a des principes divins qui organisent le mariage. Si tu veux avoir des enfants, il y a des principes divins qui organisent l'éducation des enfants. Tout ce qui existe sur la terre repose sur des principes divins. C'est pour cela que celui qui médite jour et nuit la parole de Dieu, est assuré de réussir dans ce qu'il entreprendra. Lorsqu'il va se mettre à rechercher les principes divins qui régissent, organisent le domaine dans lequel il veut opérer, il va avoir du résultat. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui réussissent. Il y en a d'autres qui ne réussissent pas. Pourquoi ils ne réussissent pas? Pourquoi leur foi n'apporte pas la réussite? Pourquoi leur foi n'apporte pas la joie qu'ils veulent avoir en réussissant? Vous savez, lorsque vous échouez, la frustration, elle est difficile. La frustration peut empêcher quelqu'un de pouvoir commencer, de continuer. La frustration peut vous rendre aigre. La frustration peut vous rendre... C'est pas souhaitable. Cherchez à réussir avec Dieu, avec votre foi. Et pour cela, l'une des choses que votre foi doit produire, c'est cette recherche constante d'aller écouter la parole de Dieu. C'est cette recherche constante de vouloir être connecté à Dieu par sa parole. Donc l'impact numéro un que produit la foi dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'attachement à la parole de Dieu. C'est la recherche des principes de Dieu dans les domaines dans lesquels il veut opérer. Chaque domaine de la vie est basé sur des principes de Dieu. Même les dirigeants, ceux qui gèrent des nations, ceux qui conduisent des entreprises, ceux qui sont à la tête des grandes structures, il y a des principes de Dieu qui gèrent ces structures-là, qui gèrent ces domaines-là. Si ces principes sont appliqués, alors le succès, la bénédiction, la gloire sera là.
Il y a des hommes dans la Bible, des personnes qui ont été des gestionnaires des royaumes, le roi David. Il y a des personnes qui ont joué des positions de premier plan par rapport à des nations. Ces hommes qui étaient inspirés par la Bible, inspirés par la parole de Dieu, ces hommes-là ont pu conduire avec succès leur nation, leur royaume, leur famille, leurs entreprises. Deuxième point. L'impact de la foi sur la personnalité. Deuxième impact, c'est que une personne qui a la foi ou une personne qui marche par la foi, c'est une personne qui est ferme dans ses convictions. Deuxième impact. Vous savez, vous pouvez avoir des convictions. Vous pouvez avoir une vision. Vous pouvez avoir un rêve. Mais si vous n'êtes pas ferme dans les convictions que vous avez, vous ne réussirez pas. Parce que chaque fois que vous avez des convictions, chaque fois que vous avez une vision, il y a des obstacles qui vont toujours se lever sur le chemin de la manifestation ou de la concrétisation de vos convictions. C'est la raison pour laquelle vous devez tenir ferme. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous laisser embrouiller. Vous ne devez pas vous laisser distraire par les circonstances, par les personnes. Moi, je dis souvent, même en ce qui concerne les relations humaines, il y a des personnes, je préfère ne pas les avoir à côté de moi, parce que ces personnes sont des véritables destructeurs de convictions. À cause de leurs propres échecs, à cause des choses qu'ils n'ont pas réussi à faire, ils vont souvent, lorsqu'ils sont en face des hommes et des femmes qui ont des convictions, ils vont souvent le persuader de ne pas agir. Oh, si tu as échoué dans quelque chose, ça ne veut pas dire que je vais échouer dans la même chose. Nous ne sommes pas pareils, nous ne faisons pas les mêmes choix, nous n'avons pas compris les choses de la même manière. C'est pour cela que si tu as une conviction et que tu es convaincu au fond de ton cœur que le rêve que tu as ne vient pas de toi, que ce rêve que tu as, c'est la parole que Dieu a déposée dans ton cœur, je vais te dire une chose, alors sois ferme dans tes convictions. Et je vais te donner un conseil en passant, ne partage pas tes convictions avec n'importe qui, parce qu'il y a des véritables destructeurs de vision, il y a des véritables tueurs de vision. Il y a des personnes qui prennent leur expérience et qui veulent imposer dans la vie des autres. Non, ton expérience n'est pas mon expérience. Tes échecs ne sont pas mes échecs. Mes réussites ne sont pas tes réussites. C'est pour cela que lorsque je suis convaincu que Dieu m'a parlé, alors je suis ferme. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28, la Bible dit « À tes résolutions répondra le succès ». Hé, mon ami, tu dois être résolu, tu dois être déterminé, tu dois être ferme, accomplir le rêve que tu as dans ton cœur, ce rêve qui vient de Dieu. Si tu n'as pas cette conviction, si n'importe quoi peut te changer d'avis, si n'importe quelle circonstance peut te décourager, alors tu n'iras pas loin. Tous ceux qui arrivent à réussir des choses sur la terre, à porter du fruit par leur foi sur la terre, ce sont des hommes de fermeté, ce sont des hommes de conviction. Lorsqu'ils ont décidé de faire quelque chose, ils vont jusqu'au bout de la chose. Même si les premiers essais sont, ils tombent dans des échecs, ils se relèvent, ils continuent. Ils n'abandonnent jamais, ils ne s'arrêtent jamais en cours de route. Je vais dire à quelqu'un, il y a un danger avec la tendance d'abandonner trop tôt les choses. Il y a un danger avec ce caractère qui consiste à ne pas persévérer. Il y a un danger avec ce caractéristique qui consiste à lâcher les choses. Il y a un danger. Vous ne réussirez rien du tout. Vous n'accomplirez rien du tout. Rien n'est facile sur la terre. Tout le monde qui veut faire quelque chose aura des obstacles. Les médecins ont des obstacles. Les chefs d'entreprise ont des obstacles. Les pasteurs ont des obstacles. Les présidents aussi ont des obstacles. Dans leur charge aussi, ils sont des fois confrontés à des choses difficiles. Mais ils n'abandonnent pas. On n'abandonne pas. On continue, on persévère, on travaille et les choses finissent toujours par aller. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes de conviction. Ce n'est pas parce que tu as une difficulté sur le chemin de l'accomplissement de ton rêve que Dieu n'est pas avec toi. Qui t'a dit que parce que Dieu est avec toi, au premier coup les choses vont marcher? Non, non. La fermeté, je tiens ferme par rapport à la conviction que j'ai dans mon cœur. Je tiens ferme par rapport à ce que Dieu m'a dit. Je suis convaincu, je suis ferme, je n'abandonne pas, je ne lâche pas. On continue de travailler, on continue de persévérer, on continue, on continue. Donc, l'impact numéro 2 de la foi sur la personnalité d'une personne, c'est la fermeté dans ses convictions. Troisième impact, nous allons parler de 4 impacts aujourd'hui, de ce que la foi produit dans la personnalité d'un homme ou d'une femme. De ce que votre foi en Jésus-Christ,
dont sa parole va porter, va produire dans votre vie. Alors, troisième impact, c'est ce que j'appelle une humeur positive. Une personne qui, à la fois, c'est une personne qui espère toujours. C'est une personne qui est d'une humeur positive. C'est une personne qui espère toujours que demain, les choses vont être différentes. Que demain, les choses vont aller. Que demain, les choses vont être positives. Que demain, les choses ne seront plus comme hier. Pourquoi cette humeur-là, pourquoi l'humeur positive est importante pour garder votre foi opérationnelle? Mais c'est simplement si vous êtes découragé, si vous êtes déprimé, si vous êtes à terre, si vous ne pouvez pas être quelqu'un d'action lorsque vous êtes dans la dépression. Vous ne pouvez pas être un homme ou une femme opérationnelle lorsque vous êtes déprimé, lorsque vous avez des pensées de suicide, lorsque vous voulez tout abandonner, lorsque vous êtes un défaitiste. Si vous êtes un défaitiste, lorsque les obstacles vous mettent à terre et vous êtes à terre, vous ne pouvez pas avoir une foi opérationnelle. C'est-à-dire, votre foi ne pourra jamais rien produire parce que pour se lever le matin et aller travailler, pour se lever le matin et aller se chercher, comme on dit, il faut avoir de l'espérance. Il faut se dire qu'aujourd'hui, je me lève. La journée d'hier n'est pas la journée d'aujourd'hui. Même si hier, ça n'a pas été comme je voulais, mais aujourd'hui, c'est une autre journée. Je me lève avec la force, je me lève avec l'espérance. Je me lève avec la force, je me lève avec l'espérance. Une humeur positive, espérer. Jérémie 29, 11. Dieu lui-même dit, je connais les projets que j'ai formés à ton sujet. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu lui-même te donne de l'espérance, parce qu'il sait que tu as besoin d'espérance pour sortir de chez toi. Tu as besoin d'espérance pour te battre. Tu as besoin d'espérance pour travailler. Tu as besoin d'espérance pour faire ce que tu as besoin de faire. Et je vais terminer par le quatrième impact, qui est la dernière impact. C'est qu'un homme de foi, un homme qui marche par la foi, il a un tempérament opérationnel. Qu'est-ce que j'appelle un tempérament opérationnel? Un tempérament opérationnel, c'est une personne qui est prête à saisir les opportunités pour aller de l'avant. Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu veut bénir un homme, il met devant lui des opportunités. Si vous ne savez pas discerner et saisir des opportunités, vous allez passer à côté des choses et votre foi ne produira rien du tout. Il y a des opportunités dans votre vie. Que Dieu met. Dieu met des opportunités pour nous changer, pour nous bénir, pour changer notre destinée tous les jours. C'est à nous de distinguer. Ces opportunités-là peuvent être des connexions. Il te met en connexion avec une personne et cette personne-là va être la porte pour là où tu veux aller. Lorsque Dieu veut visiter une personne, il lui donne des connexions. Il lui donne des connexions. Dieu ne peut pas visiter. Dieu est esprit. Dieu ne vient pas physiquement. Il agit au travers des hommes. Donc lorsqu'il veut te visiter, il va t'ouvrir des portes. Mais c'est à toi d'être opérationnel. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas lancinant. Lorsque l'opportunité est là, tu dors. Lorsque l'opportunité est là, tu ne sais pas frapper les portes. Lorsqu'il y a une opportunité, il faut frapper la porte. Il faut saisir. Et à partir de là, on va commencer à voir le résultat qui arrive, le résultat qui est positif. Je crois qu'au travers de ces quatre principes dont je viens de vous parler, le Seigneur vous a parlé sur ce qu'on appelle l'impact de la foi sur la personnalité. Pour terminer, je vais vous présenter mon livre que j'appelle ici « La foi ». Le seul vrai combat. Ce livre, je l'ai écrit, il est sorti récemment en France en décembre 2019, juste avant que je vienne ici au Congo. Alors, vous allez trouver dans ce livre qui est disponible sur Amazon, sur Facebook, vous pourrez aussi voir ça sur notre maison d'édition en Dévotion et Vie, vous allez voir ces éléments dont je viens de vous parler. Et dans ce livre, je suis allé dans les profondeurs où vous allez encore être enrichi par ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que par sa grâce et par son amour, Dieu nous accordera l'opportunité de pouvoir partager d'autres choses. J'aimerais simplement, pour terminer, prier pour vous, là où vous êtes, vous qui nous écoutez, dans votre maison. Je veux prier pour que Dieu vous fortifie et que votre foi puisse commencer à porter du fruit. Je veux prier maintenant. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Je prie pour cette femme. Je prie pour cet homme. Je prie pour ce vieil homme. Je prie pour ce jeune homme, cette jeune femme qui me regarde, qui m'écoute, qui a écouté ce message. Je prie que ta parole, telle qu'elle a été
été donné, Seigneur, puisse porter du fruit dans son cœur, qu'il puisse révolutionner, booster sa vie, changer sa mentalité, changer sa façon de penser, afin qu'elle commence à porter du fruit. Seigneur, merci parce qu'au travers de ce message, tu suscites des personnes, des véritables ambassadeurs, des véritables porteurs de preuves, des véritables manifestateurs de la gloire de Dieu. Ils vont les manifester. Je déclare ces paroles sur toute personne qui écoute ce message et que la grâce et la gloire de Dieu soient sur chacun de nous. Au nom de Jésus, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sought the Lord, and He answered me and delivered me from every fear.